What's up les amis, c'est Formula EJ de la French Open de Youtubers. Je vous propose donc un petit let's play test sur BioInk, un petit jeu que l'envol m'avait conseillé. Je tiens à ouvrir une parenthèse. Il y a des changements dans pas du temps assez chiant pour moi avec le setup, du moins des changements imprévus. Me taper une heure de route toujours mon parti, donc là du coup je vais pas faire une heure que ce soit pour aller ou alors une heure pour retour. Donc du coup je vais pas pouvoir faire de vidéo sur Xbox One. Et puis déjà le Microsoft Edge ça plante encore, j'ai fait le test mercredi dernier, ça a marché, il y a très peu à mis à mort, donc là du coup voilà, donc un report à nouveau de l'intro de mon micro jusqu'au mois d'avril, parce que je pense que d'ici les deux prochaines semaines ça va pas parler. D'avril. Donc du coup des vidéos que j'étais censé faire en plein mois d'avril, ben, elles vont être reportées reportées que ce que je dis non, elles vont être avancées, voilà. Donc c'est un peu dommage. Alors on va commencer avec une petite partie. Si ça charge. Elle met une bande annonce à la con. Ah, c'est pas ma faute. Hein. Alors, internat, ouais, on va faire ça. Malheureusement, j'ai pas de. Bon, alors, donc, sachant que je ne connais rien en médecine, ni en sciences, enfin. Tous ces trucs nus, et ben je vais vous demander franchement d'être indulgent avec moi, puisque franchement un mec qui veut plus ressembler à Michel Vaillant, qu'est-ce qui se retrouve à sauver ou tuer des vies, enfin, excusez mais je connais le principe, même c'est tuer des vies, mais quand même moi je suis pas sadique comme mon frère Big Boss de la French Open YouTuber qui en fait le envol. Alors, ceci la difficulté, bon, on va pas faire un truc méchant, on va commencer par... Alors, comment je vais l'appeler? Ouais, tu vas l'appeler Monsieur Moulin-Gaufre. Ça, je pense au capitaine Doc. Bon, bien sûr, avec des grosses fautes d'orthographe, et c'est normal, hein. Ce sont un mot. Alors... Bénin. Ouais, parce que moi je suis pas. Parce que je débute alors. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors, sélectionnez les boosters. Alors. Les environnements, facteurs de risque. On va commencer sans, parce que je comprends pas trop à ces trucs, alors l'envoi nous dira. Oui. Bon, excusez, si c'est bon et tout, c'est pas mal pour ça. Débuter la partie. Malsain. Monsieur Moulin-Gaufre est en surpoids, en plus d'être sédentaire, accro à la malbouffe et fumeur. Utilisez les maladies et les facteurs de risque à votre avantage. Pour affecter la santé, mettre fin à la vie de Monsieur Moulin-Gaufre avant que le médecin ne le guérisse.
Bactéries, virus. Observez attentivement, vous devez avancer. Bactéries, virus, pour gagner des biopoints. Choisissez le système infecté, touchez les bactéries ou les virus. Ok. Point. Ok. D'accord. Allez, le stress. Pour commencer. Ah mon dieu! Dexter, Dexter, venez vite! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Cristal. Ben, je sais pas, un certain monsieur Moulin-Gaufre, prénom Marcel, est victime du stress. Oh merde! Vous dites qu'il est victime de stress? Ouh, c'est encore une victime du capitaine Haddock, ça! J'appelle un spécialiste? Oui, Cristal, faites appel à monsieur Denis Boulet, qui dit 1, 2, 3, déstress. Bon, comme l'envol, je fais une voix un petit peu. Voilà, donc si ça vous a plu, que vous êtes bien marré avec mes conneries, sachant que moi je suis pas vraiment expert en ce genre de conneries, ben vous le dites, hein. Alors maintenant, on va lui faire péter autre chose. Oula, insomnie. Insomnie. Oh yeah. Notre connerie. Stress chronique. Oh. Docteur, docteur, il a riflé à roupiller. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il a pas encore bu de café? Je crois qu'on est tombé sur un insomniaque. Oh merde, putain, ça va chier si ça continue. Faites-moi appeler le docteur Inferno, s'il vous plaît. Je sais qu'il s'y connaît rien. Oh. En médecine? Mais pour le faire souffrir? Là, par contre, je crois qu'on va avoir besoin de lui. À moins de 86%, le système nerveux, on est en train de le niquer de sa mère, là. Putain, vas-y. Il faut qu'il crève avant les élections présidentielles, bordel. À propos d'élections présidentielles, Christelle, on a quelque chose à lui carrer dans le fio? Ben non, je sais pas, moi. Oh, plus de tempête, c'est pas grave. Comment? Vous dites c'est le médecin? Ah non, c'est pas vrai! Mauvais médecin! Oh yeah! Les médecins de Monsieur Molago sont occupés! Vas-y, fais péter ça! Foute la bordel! Allez, là, le respirateur, on va lui niquer quelque chose. Une petite grippe! Ah mon dieu, putain! Il a bouffé du cochon! Christine, Christine, prépare un couteau de boucher! Il va se métamorphoser en cochon garou! Vous parlez pas du lapin garou? Ah bah non, c'est gros mythe! Je savais pas, moi! Comment ça, vous savez pas?
Ah merde, je passe, fuck! Pardon, excusez-moi. Docteur, un café? Non, Crystal, je prends toujours des cappuccinos. Ah, eh ben alors, excusez-moi, monsieur. Il n'y a pas de mal, Crystal, vous êtes en formation, vous êtes là pour apprendre. Et ouais! Nouvelle prescription de médicaments! Eh ben, mon pauvre moulin gaufre, le docteur Radoc t'a filé des mauvais médicaments! C'est des placebos! Attention, je parle pas du groupe de musique. Qui a rien à voir. Même si le terme placebo, moi je connais que ça, hein. Je connais grâce justement au groupe. Allez putain, déjà 11 minutes 30 de vidéo et on est en train de jouer avec la vie d'un innocent! Oula, j'espère que le légiste de Madame Lescaut va pas nous coller un procès au cul! Cristal, il est long mon fusil, faut que je parte à la chasse au fion! Bah, je peux rien faire. Circulatoire. Eh putain, lui colle une bonne angine avec sa mère, fait péter. J'espère que t'es pas un hypochondriaque, mon con, parce que là, ça va chier pour ta gueule. On t'a pourtant dit de te couvrir l'hiver. Pourquoi t'écoutes jamais le conseil de tes parents, ou de tes bons médecins, de tes amis, de tes proches? Parce que t'en as rien à foutre, hein. Oh putain, 22%, bordel, c'est pas bon! C'est pas bon! Pas de pour ton guérison, putain, c'est le bordel! Il faut le faire crever, ce connard! Putain, 24% dans le sondage, c'est pas possible! Macron va être élu! Ouais, bonne grâce du médecin, parce que moi ça m'énerve. Mauvais médecin, phase 2. Ouh, non, infirmière à grève, vous. Non. Facteur de risque. Fumée. VNT. Je sais pas, ça a mal beau, surpoids. Ah, une bonne petite maladie à la con encore. Allez, on va viser le digestif. Gastro-artérite. Oh mon dieu, putain, il nous a lâché une queue de renard. Putain, il nous a lâché une queue de renard, putain, le con. Ah, vite, Christelle. Vite, vite. Il est en train de tout salir! Bah, je sais pas ce qui s'est passé. À un moment, il m'a affiché un truc. Là, j'ai envie de lui dire, mais merde! Infirmière en grève. Putain, enfin, c'est jetiste. Eh ben putain, mon pauvre moulin gaufre, je crois qu'ils ont plus besoin de toi, ils veulent que tu crèves.
Mais t'en fais pas, moi le docteur Inferno va s'occuper de toi. On est des bons copains. Même si le docteur Inferno connaît pas Tintin, mais c'est pas grave. Anévrisme cérébral. Carence en potassium. Oh putain. Ouh, ça doit faire mal. Putain, le mec, il va devenir taré si ça continue. Cinq système nerveux, putain, il faut nerveux, il faut qu'il crève. Putain, t'es nerveux, qu'est-ce qu'il y a? T'oses pas parler de nana ou quoi? Voir, t'as juste une maladie chronique. Heureusement que t'es pas atteint encore du sida, parce que putain, toi, t'es vraiment une belle merde. Sexe non protégé. Monsieur Molingo, pressionnez pas d'avoir des relations sexuelles non protégées. Vous avez une chance de tourner la roue des MTS. Malédiction. Enfin, nous, c'est MST, maladie sexuellement transmissible. Ok. Ah non, une hépatite! L'hépatite, c'est une infection provoquée par un virus qui attaque le foie et conduit à une inflammation. Eh ben putain, mon pauvre moulin gros, fallait pas manger du foie gras. Tu vois ce que ça fait maintenant? Ah non, mon dieu! Putain! Il emmène la salle d'urgence, vite! Putain, mauvais diagnostic, putain, il faut lui mettre ça dans le fion. Faut lui mettre ça dans le fion à ce connard. Bonne petite erreur chirurgicale, mais bon. J'ai bien envie de placer, bro. Allez, toxique. Putain, c'est pas possible, t'es vraiment un toxicomane, toi. Ou alors, c'est que t'es vraiment un fan du groupe Placebo. Mais pourquoi les fans du groupe Placebo se suicident à chaque fois? Ils sont cons. Putain, défaillance des systèmes nerveux. Oh putain, bordel de merde! Vite les mecs, ça va péter! Sortez vite! Il a une bombe à l'intérieur de son corps! Mais où est-ce qu'elle est cette bombe? Elle est à l'intérieur du cerveau! Mon dieu, une erreur chirurgicale! Oh putain, qu'est-ce qu'on t'a fait? Mon pauvre moulin gaufre! Bon, on va tout réparer avec des pièces détachées des mécas monstres du docteur Inferno qui ont été désingués par Mazinger Z, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'as bien pu choper, mon pauvre ami? Attends, un dernier petit truc, juste pour te casser les couilles. Une bonne insuffisance rénale. Et ben voilà, bravo!
T'as fait une connerie, t'as les reins complètement morts. 20 minutes de vidéo déjà et on est à deux doigts de le zigouiller. 53, putain la coccinelle. Je suis pâté de retour. Elle va gagner les 24 heures du Mans. Oh putain, elle est morte, yes! Oh putain, elle est morte! Il est mort! Oh putain, il est mort, on l'a tué! Monsieur Moulingo fait des saisons 288 jours. Repose en paix. Monsieur Moulingo, même si on ne te connaissait pas. Date du décès, 30 décembre 2017. Mais c'est qui le président? À cause de ça, j'ai raté les élections présidentielles, en douille! Quoi du décès? Stress chronique! Eh ben pourtant, il avait dit de consulter Denis Boulet. Docteur, Denis Boulet est arrivé. Ben, il est arrivé depuis quand? Ben, depuis une heure. Mais pourquoi vous l'avez fait attendre, au nom de Dieu, Christelle? Ben, je sais pas, moi. Apparemment, il nous avait dit qu'on était des grosses feignasses. Ouais, mais en même temps, c'est pas faux, vu le ramasser de feignasses que j'ai. Oh, docteur! Oh, Christelle, ferme ta gueule, là, tu fais chier. Bon, docteur Inferno, je vous invite à prendre un café? Volontiers, mais je crois que vous ne consommez que du cappuccino. C'est bien vrai? On va aller au bistrot du coin, parce que ici, ça sent le moisi. Allez, une petite annonce encore, fais pas chier. Putain, bordel, c'est intense, hein? Ouais, désolé, c'est juste les annonces que je sais pas comment les retirer. C'est tout, ça s'arrête là. Hein. Je crois qu'en plus, je voulais quitter, mais je suis pas sûr. Hein. Bon ben voilà, j'espère que ça vous aura plu, chers abonnés. Bon, j'ai quand même dit pas mal de conneries. Voilà, plein de salades. Ben, j'espère que ça vous aura plu du moins. Et on se retrouve dans très vite pour de nouvelles vidéos, bien évidemment. Et donc, ouais, si ça vous a plu, mon petit délire sur Biohuc, ben je referai, vous inquiétez pas. Mais quand même, qu'est-ce que vient foutre un fan de Michel Vaillant alors qu'il connaît rien. À tuer des gens alors qu'il connaît rien à la médecine, quoi. Alors, prochain niveau, c'est quoi? Hypochondriaque, putain de merde. Ça me rappelle le film Superchondriaque de Danny Boone. Putain, quoi encore, on va tomber sur HTV. Ce genre de truc là, et. Et en fait, on va lui dire, bah, excusez-nous, monsieur Baume, mais on doit vous tuer parce que malheureusement, vous. Bah voilà, certes vous êtes des bons clients, mais vous nous niquez le business, bordel! Attention, j'ai pas dit boum, j'ai dit boum! La nuance! Donc, sur ce, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et probablement sur du BioInc. Allez, ciao, portez-vous bien, salut, c'est Clou et à la prochaine! Bye bye!